Salut YouTube, j'espère que tu vas bien, je te fais des bisous, on se retrouve sur Belo, au secours. Par pitié, voilà, je suis mort, il faut que je redescende, encore une fois, once again. Et pourtant, une fois de plus, je redescends. Alors là, ça va être temps d'axe, parce qu'il va falloir que j'aille récupérer ma lanterne dans le niveau avec les tentacules. Yamete Kudasai. Alors attendez, il faut que je remonte là-haut. Oui. Il y a l'observatoire de ces morts. Il y a surtout le chemin pour descendre niveau. Vu combien. Je pense qu'en fait, j'ai vraiment. Il va falloir que je refasse un. Une fois que je récupère ma lanterne, j'essaie de choper un shortcut absolument. Et je vais essayer de me refaire les niveaux. Les premiers. Parce que je suis sûr que j'ai loupé des milliards de trucs. Et en réalité, ça m'aidera sûrement pas mal pour continuer, ne serait-ce que le marteau. Je sais pas où je peux le choper. Et du coup, j'ai lu des trucs là sur internet et les petits trucs qu'on récupère pour la lanterne, c'est ce qu'il faut. Il faut les 20. Il faut récupérer les 20 trucs pour la fin. J'ai envie de mourir. Vous le dis. Au secours. Ok. Donc là, je passe par là, Easy Money. Prends pas l'ascenseur parce que Osef. Oh là là, mais du coup, j'ai pas de torche GR. Oh, ça va être un cauchemar, putain. Elle me refile des trucs à chaque fois. C'est une armure. Alors, ça. Jesus Christ the Lord. Ah, l'armure d'os en plus, elle pèse. Hein. Elle pèse dans le game. Celle-là, elle pèse. Et c'est reparti. Oh non, les tentacules au secours, quoi. Attendez, c'est quoi ça? On peut monter là? Je comprends toujours pas à quoi servent les billes. Hein. Peut-être qu'un jour je comprendrai l'intérêt de ces trucs, mais. Mais pour l'instant, je vous avoue que je l'ai pas. Hein. Je l'ai pas saisi en tout cas. Ah oui. Là, c'est le prank. Le prank du shortcut pété. Ok. Ok, bro. Ça me termine. Termine de mourir comme une merde comme ça et du coup de devoir redescendre dans la pire zone du jeu. En plus, j'ai une torche ou pas? J'ai une torche. Oh, ça va être dramatique. Hein. Ça va vraiment être un cauchemar. Bon, le feu ne me sert à rien, à moins que j'aille récupérer des trucs dans ma hutte. J'appelle injustement ma hutte. C'est la planque. Alors j'avais pas de bouffe. J'avais plus d'éclat parce que j'avais tout récupéré. Attendez, du coup, est-ce que je peux activer ça ou pas? Ah oui! Je sais pas à quoi ça sert, hein. Mais du coup, j'ai quoi? C'est un niveau de plus? Non, pas du tout. Ah, j'ai. Ok, une place de plus là-dedans. Ok. Ça sert à R parce que j'ai rien dedans. Je vais prendre une bombe. Voilà, c'est tout. J'ai pas besoin de plus. Ah, peut-être qu'un jour j'aurai un lit, hein, ici. On sait jamais, hein. On a le droit de rêver. Est-ce qu'il est encore permis de rêver? Je ne sais pas, mais. Moi j'aimerais bien en tout cas. Ok, bueno, bueno. J'ai un étage et demi à traverser. Sachant qu'il y a un étage où. Ah non, j'ai pas besoin de la clé. J'ai plus besoin de la clé parce que. Oui, non, c'est bon, ça va. Ça va aller parce que du coup, j'ai déjà déverrouillé l'étage du dessous.
Alors là, c'est la descente absolument infinie. Hein. Je lock le stick vers le bas. That's true. Normalement, j'ai pas à refaire le niveau entièrement. Et heureusement, parce que c'est un cauchemar. Je sais pas s'il y a des cartes des niveaux sur internet. Je ferais comme dans Freelancer, je me sortirais les cartes en imprimé à côté. Ah, faut que je recommande des cartouches d'encre, au secours. Allez, zou. You've activated my trap card. Ah, c'est les tentacules, hein. Ça arrive toujours notre chum. Ou les cartouches d'encre, on ne sait pas. On ne sait pas finalement ce qui la trigger. Ah oui, alors j'atterris là, ok. Putain, c'est stylé, hein. L'ambiance est vraiment classe quand même. L'ambiance est vraiment, vraiment classe. Et en fait, je suis tenté de me refaire les étages du dessus parce que j'ai loupé du coup plein d'éclats, je pense. Enfin, plein de... les bits. On dirait une tortue, un peu. Mais attendez, du coup, ça veut dire que je vais devoir me retaper la zone avec les sacs à merde, là? Les bits... non. Coucou, Justine. Non, non, les bits BIT. Les petits morceaux. Ok, au secours, un cauchemar. Si vous ne voyez rien, c'est normal, hein. Sachez-le. J'ai pas la map, super, j'adore. J'adore cette ambiance. Il y a de l'ambiance dans ces boîtes jaunes. Et je vais me faire attaquer par les tentacules, ça y est. Comment va mon employé? Ça va, écoute, hein. Ton prestataire, s'il te plaît. Ça va bien, et toi? Justine, une cliente incroyable, hein. Qui répond dans les 20 minutes. Ça, c'est pas banal, ça. Hein. Ça va, bon, cool. Alors là, il y a les Master Prankers. Je veux m'enfuir quand tu es dans mes bras. Ok, bon, j'ai retrouvé le chemin vers le niveau assez vite, c'est cool. Ah, il y a un feu de camp, là, quand même. Ils sont pas si vilains que ça. Alors qu'elle est pas censée avoir le droit. Justef, je prends des libertés. Non, mais t'as raison. Faut dire merde. Faut dire merde au système. Donc là, il y avait le feu. Oui, c'est vrai qu'il y avait le feu de camp. Oui, bah, c'est bon, descends. De toute façon, j'ai rien pour me faire une soupe, là. Non, mais ça va, j'ai pas faim. Allô? Il faut que je regarde vers le bas. Allez. My body is ready. Le gros Reggie. Le gros Reggie, fils aimé. La lumière. La carte. Je suis la carte. Ok, je cours. Je cours pour ma vie. Oui. Du rôti de rat. Très bien ça. Il va me donner des entrailles, c'est nul, c'est pas grave. Je prends quand même. Moi je pense qu'on me donne. Ah non mais gamme tes coups d'assaille. Yamete Kudasai. Oh, mais même récupérer mon cadavre, ça va être un cauchemar. Oh là là, ça va être un calvaire. Eh bien, une porte là quelque part. Dites-moi qu'il y a une porte. Attendez, parce que je suis pas sûr d'aller dans la bonne direction et ça, ce serait un cauchemar. Ok, c'est bon. Saloperie. Ça va que j'ai l'épée, hein. L'épée, l'armure en os. Sinon, ça aurait été terrible. Les champax, je prends pour un ragoût. Et normalement, mon corps est là. Mon corps est prêt. Ah, mais alors, je sais pas où il est par contre. Hein. Il est là. Je vais activer la lumière pour avoir un peu la paix. Ne serait-ce que 10 secondes. Ça n'a rien à branler, hein. Saloperie. Yamete Kudasai. Oh, c'était un... Je le savais. Je vous jure que je le savais. Hein.
Ok, j'ai pas le choix de toute façon. Oh là là, mais au secours, c'est un cauchemar. Oh oui. On dirait que je vais avoir un peu la paix ici. Ça a l'air d'être une zone de transit. Ah oui. Je vais obtenir un bit. Need. Need it. Magnifique. Un collectible. Il me faut les 20 hein, pour terminer le jeu. Sinon c'est de la merde. Sinon c'est salut mon pote. Oh non, les tentacules reviennent. Viens mettre tes coups d'assaille. Mais ces zones là, t'es obligé de les rusher en fait, t'as vraiment pas le choix. Oh les saloperies. Attendez, mais du coup, à quoi servait cette zone de mort là? Je pouvais descendre? Oh, j'ai pas compris, ça m'énerve. Putain, normalement, ça marque les zones vers lesquelles tu peux bouger. Enfin, ça marque les zones de transit, entre guillemets. Je comprends pas. Mais de toute façon, je peux même pas remonter au niveau du dessus. J'ai pas le droit, si. Je comprends pas, je comprends R. J'ai peut-être pas ce qu'il faut, hein. Mais attendez, j'ai pas une tablette, là? Si. Je j'ai toujours pas compris à quoi ça servait, mais je m'en sers quand même. Moi, je veux juste me casser, je vous en conjure, je veux juste me barrer. Par pitié. Viens, mets tes coups d'assaille. Une sortie. Non mais si, j'ai pas encore dû trouver la clé d'étage. Enfin, j'ai trouvé la clé d'étage, mais j'ai pas encore dû trouver la sortie official, quoi. Ok, ça, ça dégage. D'accord. J'ai pas le choix que d'aller là, visiblement. Je sais que je loue plein de trucs, mais je me sens tellement pas en confiance dans cette zone que j'ai juste envie de partir, quoi. De courir loin. Je l'ai vu en plus. Je suis une célébrité, sortez-moi de là. Oh putain, le cauchemar. Ah ça y est, là ça va être la death loop. Bon ça va, en réalité je devrais pas être si stressé que ça par la zone. Elle est pas si terrifiante, en fin de compte. Ah non mais j'étais si près et pourtant si loin, je déteste ma vie. Je déteste ma vie de merde. Bon, je vais refaire la même chose, hein. Je vais rusher. Je vais dire 9. Mais non, bah si. Putain, je l'ai vu en plus. Et j'ai couru dessus comme une grosse merde que je suis. Ce que vous avez fait est grave, non professionnel. C'est des bâtards après. C'est mesquin. Ce que vous avez fait est grave, non professionnel et mesquin. Ah, je me déteste un peu là quand même. Je vous cache pas que je me hais un peu. Tire le feu d'artifice ce soir, c'est quoi ce bordel? De toute façon, on le voit jamais de chez moi. Donc. Ce n'est pas ma faute si vous avez des complexes, moi j'en ai pas, c'est ça. Attendez, c'est quoi ce prank qui tire le feu d'art là ou quoi? Je tue tous les connards à la fenêtre. 14 juillet? Non, c'est 14 juillet, pourquoi il tire le 13? C'est débile. Je les déteste. C'est Fox qui me disait tout à l'heure qu'il y avait la techno-fanfare et le feu d'artifice juste à côté de chez lui et que du coup il faisait pas son live. Ah! Non mais ici aussi il y a eu pétard et compagnie. Non mais je comprends pas là, je vois tous les mecs dans l'immeuble en face qui sont à la fenêtre.
Les villes banlieues de Nancy tirent le 13, Nancy le 14. Ah oui, d'accord, ok. Le Mamat, c'est payé avec mes impôts. Hein. Mais pourquoi je suis passé. Pourquoi je suis allé là? Quel con. Pas grave. J'ai pris cet ascenseur de merde. Pas lui. C'est pas là où je voulais. Ah non, mais j'ai. Ok, j'ai loupé le. D'accord, donc ça doit être à Saint-Max ou je sais pas où. Ok. Non mais ok, c'est ok, tire. Is ok, bilboqué. Ah donc ils vont me refiler un truc là, une armure d'os, je vous en conjure. C'est d'accord pour l'armure de cuir. Bilboqué, oui. Is ok, bilboqué. Bon, je reprends l'ascenseur, je redescends niveau 13. Je redescends niveau 13. Je vais retaper ce pot. Je sais pas si je peux récupérer une bille ou quoi, mais je vais voir. On va étudier la question avec Maître Véreux. Ah, là, il me refile rien. Tout à l'heure, j'avais le droit à une bille, mais là, j'ai rien. De toute façon, je sais même pas à quoi ça sert. Faudrait que j'aille regarder ça sur internet parce que le jeu est un peu avant en explication. Le cauchemar, quoi. Le cauchemar. Ça se passait si bien, quoi. Genre, je dois aller faire les tirs du chat. Ça marche. Bon courage. Bon courage. J'espère que les merdes de Google ne sentent pas autant la merde que ça. Le petit chat. Magnifique chat incrusté dans le chat. Évidemment. Ok. Magnifique. Au secours. Ok, alors là, je me retape du coup la descente de 2000 ans. À peu près, hein, c'est pifométrique. Hein. J'ai bien ri. Bon, écoute. C'est l'essentiel. Ah, je me suis dit, ah, les petites vannes. La petite Klein Blagounette, quoi. Si ça peut habiller un peu le chat. C'est souvent morne et austère. Ok. Bon, celle-là, c'est la bonne. J'y crois à mort. J'y crois à mort. Ça y est, j'ai compris comment fonctionnent les niveaux. J'ai compris que les tentacules, c'était pas si grave. Maintenant que je pèse dans le game, c'est pas pour me la péter. Ça faisait longtemps que je l'avais pas sorti celui-là. Maintenant que je pèse dans le game, c'est pas pour me la péter, hein. Il y a incroyable, Julien, vite. Ok, bon, il y a ce plan HUC. Oh mon dieu. Ah, on s'y attend pas, hein. J'imaginais trop aller chercher la photo. Je ne t'ai pas choqué. J'imaginais trop aller chercher la photo et mode moitié en train de râler. En mode. Mais il est où ce putain de chat? Moitié. Je suis un petit rigolo. Oui, j'étais un peu MDR. Mais en réalité, j'ai pas tellement galéré à la retrouver. Parce que je me suis souvenu. Alors tu vois, ça c'est ma mémoire des détails inutiles. Hein. Ça fait délirer ma meuf. J'ai une mémoire des détails complètement stupide. Donc je vais retenir certains petits détails. Par contre, je vais oublier. J'ai oublié les œufs quand je vais aller faire mes courses, tu vois. Bon, assez typical en soi. Et en fait, je me suis souvenu que à un moment, t'avais posté une photo du chat sur le Discord de Éclat TV. Et que je t'avais demandé comment il s'appelait. C'est quand t'avais mis ton gif. Oh, je sais plus. Ah, je sais plus par contre. Et je t'avais demandé comment il s'appelait. Et du coup, j'ai juste cherché Google. J'ai juste bêtement cherché Google dans la recherche Discord. Du coup, j'ai retrouvé ton message où tu me disais comment il s'appelait. Into la photo du chat.
Ah voilà, bon, alors le pathfinding ici, il est pas trop dur. Donc en définitive, c'était pas si dur à retrouver. Ah merde, j'ai pas rempli ma grande. Allez, je saute. Je dis oui. My body is ready. Le gros Reggie. On t'aime Reggie, hein. Si tu nous regardes, ne nous fais pas un procès, hein, surtout. Mais on peut remonter là? Non, je peux pas remonter, on est d'accord. Je me disais que c'était trop beau. Salaud. Bon là je vais pas me pencher, je vais y aller direct. Hein. Si je peux, parce que ça c'est encore pas dit. Si. Ah bah très bien, mon compteur Twitch m'indique 0 vue. Alors que j'étais à 3 000 il y a 2 jours, parfait. Je sais pas si c'est reset, si c'est les vues par an. Peut-être que c'est les vues par an. Qu'il a reset pour une raison obscure, parce qu'il y avait une date anniversaire. Attention au piège. Hein. Le bait. Vite. Des bandages, je dis oui. Je dis oui à la oui. Ça reset? Bah je sais pas, écoute. Ah non, c'est bon. C'est revenu. Petit bug temporaire, visibly. Je dois aller où, putain? Je peux pas... Ah, c'est pas par là. Ok, au secours. Au secours. Envie de canner. Bon, allez, caca du chat. Courage. Courage. Je l'ai vu, hein. Y'a pas encore les tentacules. Pas encore, mais je dis ça, mais je vais me le prendre dans la gueule dans 2 secondes, hein. Allez, je file. Des bisous, Nacho. Merci beaucoup d'être venu. Bonne soirée à toi. Bonne nuit, surtout. Repose-toi. Important. Important de se reposer. Des bisous, Nacho. Mais non, pas toi. Salut, c'est lui que je voulais mettre. C'est salut, mon pote, que je voulais mettre. Du coup, il faut pas que je le remette. Salut, mon... Ah, ils m'ont remis la même salle, ces petits bâtards. Ok. Les bisous, Nacho, quelle indignité. Oui, non, désolé. Désolé pour cet incident technique. Intolérable, j'en conviens. Là il va me faire... Ah oui, là il va me faire passer. Ah donc il faut que je reprenne ça, d'accord, très bien. C'est d'accord. Là il va me faire repasser dans la salle toute chelou avec le Master Crystal au milieu. Ah non, pas du tout. Oh là là, les... Oh putain. Oh, les affreux, les prankers. Les ratus. De la viande de rat. Ah, il me faut de la viande de rat, hein. J'ai plus de torche, super. Ça va pas arranger mes affaires, ça. Non, c'est là la salle chelou. Just here. Là, j'ai un peu la paix. J'ai qu'un morceau de bouffe, alors ça va pas aller loin. Ah putain, je suis déjà mis de... Je suis déjà 2 tiers, quoi. Au secours. Du coup, ça veut dire que les niveaux encore en dessous, c'est les niveaux du froid. Mais alors attendez, parce que j'avais trouvé un passage vers le niveau 4 à un moment. Ah, faudra que j'aille explorer tout ça, hein. Ça j'ai pas fait. Les ratus. Je découpe les rats pour obtenir de la viande de rat. De la délicieuse viande de rat. Vite, parce que le cristal va s'arrêter là. Et j'ai de quoi faire un ragoût. Magnifique. Oh non, pas lui, pas lui. Au secours. Je veux pas mourir, je veux pas mourir. Ah, ils sont infâmes. Ok, là j'ai pas le choix, faut que j'aille à droite. Putain, mais je rush toute ma vie alors qu'en fait, y a pas tellement de problèmes. Je sais pas pourquoi les tentacules reviennent pas là par contre. Peut-être qu'elles ne m'aggro que quand j'ai la lanterne. Je sais pas en vrai. Ratus. Merde. Au secours, au secours, au secours. Ah, là, ils vont me mettre... Ah, mais c'est là que je suis mort. Elle a changé, la salle. C'était pas celle-là, hein. Ouais, on est d'accord, hein. Ils m'ont fait un petit plan. Ok.
Ça y est, ça s'excite. Saloperie! Non! Au secours. Arrêtez! Je veux que ça s'arrête, je veux que ça s'arrête, je veux que ça s'arrête, je veux que ça cesse. Putain, j'ai plus de vie, j'ai plus de vie, j'ai plus de vie, j'ai plus de vie, c'est un drame. Hein. Là, je me prends un coup, je suis dead. Hein. Un coup, c'est la mort. On va faire très très attention à tout. La sortie, je vous en conjure. La sortie du niveau, je vous en... Par pitié, la sortie du niveau, vite. J'espère que c'est un shortcut, ça. Hein. De toute façon, j'ai pas de bouffe, j'ai rien. Ou un feu de camp, juste un feu de camp, je vous donne pas grand-chose. Pas le bout du monde, ce que je demande, je pense. Saloperie, putain. Saloperie de merde. Feu de camp. Par pitié. Yes, putain. Yes, 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 yes. Ah, du coup, ça peut me redonner de la santé, c'est ça? Ah ouais. Pas ah, trop bien, putain. Aïe, 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 ma zette. Par contre, je pense que j'ai pas 25 éclats pour... Ah, j'en ai que 22. Ma vie pue la merde. Ouais, le ragoût. Et tout ça, je peux pas... C'est de la merde, ça. Ok, phosphore. Alors ça, je vais l'assigner... Ah non, attendez, j'ai des bandages plus, très bien, ça. Je mets le masque du vide. Je sais pas du tout à quoi ça peut servir, mais... Ok. Oh, le cauchemar, putain. Bon, bah, visiblement, c'est... Ah, attendez. Là, il y a un bit. Need. Need le bit. Faut pas que je meure, hein. J'ai aucun filet là. Je n'ai absolument aucun filet. Allez, attendez, je peux peut-être gratter des éclats. Saloperie. Ah, ça s'acharne. Hein. C'est pas si dur à éviter en définitive. Ça va. Mais c'est chiant, hein. C'est bon, il y a une sortie là quelque part? À un endroit. Un endroit de ce niveau de merde, il y a une sortie ou pas? Ah oui, oui, oui. Putain, 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 putain. Vite, 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 vite. Cauchemar! Oh, mais le cauchemar, putain! Niveau 16. Aïe, aïe, aïe. Ah, mais ça va pas arranger nos affaires, ça, hein. J'ai les éclats qu'il faut pour en faire mon feu de TP, ça. Ah, oh, 23, c'est nul, putain. Et... Je me pose une question. Les champax, si je les bouffe... Ça me redonne rien, c'est nul, hein. Je comprends pas à quoi ils servent, du coup. Je pense que je peux les coupler qu'avec certains ingrédients pour faire certains élixirs. À mon avis, il doit y avoir un bail comme ça. I suppose. Il y a encore un niveau cauchemardesque, sans shortcut, j'adore. Ok. Ouais, finis-moi des éclats, c'est bien ça. J'ai perdu un peu de vie, mais c'est pas grave. Faudrait que je dash et que je redash sur eux. Je pense. Ah non, pas eux, au secours, ils sont infâmes.
Champax. Ça c'est salaud ça. Fais gaffe putain, mais fais gaffe. Ok, très bien. En vache, ça redonne vachement d'éclat ça. Oh là là, j'en ai récupéré au moins 10 là par piège là, vu, ouais. Celui-là, je l'ai vu. Bon, c'est vrai qu'ils sont un peu cons, eux. Oh non, c'est des salauds, hein. Ça, c'est tricky à les choper. Hein. Saloperie. Ok, j'ai eu le beat. Ça va. Ah, maintenant, c'est aimanté. Trop marrant. Je peux remonter là? C'est quoi ce bordel? Je comprends pas. Mais je vais où là? Oh là là, le pain en cul! Oh là là, ce niveau, ça va être un cauchemar encore. Allez, filez-moi des éclats là, c'est bien. Ah, c'est un cauchemar. C'est vraiment un cauchemar ce niveau. Il a changé? Ah non. J'ai eu peur. Saloperie, putain! Non, je vais crever, voilà. Putain, c'était sûr, je le savais. Oh, putain, mais alors là, aller récupérer mon corps, ça va être encore plus cauchemardesque que la dernière fois. Et j'ai pas pu activer une TP sur un feu de camp. Oh là là, putain, mais au secours, quoi. Il n'y aura donc jamais de shortcut. Terrific. Ah, c'est magnifique, hein. Vraiment, je vis ma meilleure vie, là. Hein. Je savoure tellement, vous n'avez pas idée. C'est un plaisir, c'est un réel plaisir. Et un bandage, ils sont gentils, ils sont gentils. Tu nous fais savourer aussi tes KT. Ah non mais au secours, au secours. Alors remarquez, je vous dis ça comme ça, hein. J'ai un peu faim, il me reste un Kinder Bueno pour un ASMR. Genius. Si vous avez quelques points à claquer, la salinité étant assez élevée. C'est vendredi soir, putain. Ça arrive. Non, c'est mardi, mais c'est pareil, c'est ça. Pour te faire plaisir. Oui, merci, Yé, j'allais le faire. Ah, là, on va encore vivre une grande expérience. J'espère que vous êtes prêts. Le Kinder Bueno tant attendu. Exactement. Il est là. Enfin. En plus de ça, il est vraiment... c'est vraiment insupportable. Alors, attendez. Je me mets vraiment en position top ASMR, quoi. Tu me fais ma journée entière, rends-toi compte. Incroyable. Alors, on se retrouve pour la dégustation d'un petit Kinder Bueno. Et ça tombe bien parce que j'ai un petit peu faim, alors c'est bien. Du début à la fin, le Devil Day, exactement. Je pense que ça devrait être un jour national le 13 juillet.
toucher la gaufrette du dessous avant et ensuite lécher le machin à l'intérieur. Sans entendre son contexte. Nous sommes entre gourmets dans un contexte d'ASMR, donc tout va bien. Merci pour ce moment incroyable. Ah oui, des Monster Munch, ça peut être bien relou. T'as déjà fait du fromage? Non, j'ai jamais fait du fromage, mais en même temps, je sais pas trop quel fromage pourrait être vraiment insupportable. Ça fait pas tant de bruit que ça, le fromage. Je suis pas certain de l'efficacité du truc. Si, un truc qui pourrait être insupportable, je sais pas si vous vous souvenez. Ah, le camembert, c'est vrai que ça peut être chiant, quand même. Des chips, alors oui. Oui, oui, des chips, oui, évidemment. Il faudra. Des M&M's aussi. Des noix. Ah, j'aime pas ça, les noix. J'aime pas trop ça. Des pistaches, par contre, j'aime beaucoup ça. Et là, je peux faire un sacré barreau. Un truc qui peut être vraiment insupportable. Alors, je sais pas si ça existe encore, si ça se trouve encore. C'est ancestral. Je sais pas si vous vous rappelez de ça. Moi, quand j'étais gosse, il y avait des petites barquettes. Avec du fromage style kiri. Et à gauche, des espèces de petits graissins tout pourris. Et en fait, on pouvait faire des espèces de mikado au fromage. Et ouais, j'adorais ça. J'en bouffais des quantités de ces merdes. Je me demande pourquoi j'étais gras quand j'étais gosse. De la salade verte. Ah, c'est vrai que la salade, c'est un haut potentiel de cassage de burn. Mais faut que je prenne une salade bien croquante, alors de l'iceberg ou un truc dans le style. De tournesol car tu dois les ouvrir et manger à l'intérieur. Oui, alors si je peux éviter de la manutention, ça me va. Des endives, ah c'est vrai que des endives ça peut être bien relou aussi. Mais bon, je suis pas non plus là pour me faire un menu de resto, hein. Des trucs simples, hein, les enfants. Des pommes, ah pommes j'ai déjà fait. Pommes je crois que j'ai... J'avais fait ça sur Halo je crois, car il faut manger des pommes. J'adore les pommes. J'avais fait ça sur Halo les pommes. C'était proprement insupportable. Des petits beurres, merci mon amour, tu gères. Des petits beurres. J'avais dit que les petits beurres, ce serait horrible. Et c'est vrai que les petits beurres, je pense que ça a vraiment un potentiel d'horreur absolument inichmitable. Des petits beurres. Merci ma puce, tu gères. Des petits beurres ou alors des petits écoliers. Full relou aussi. Chamallow. Ouais, mais alors les chamallows, je déteste ça, donc... Enfin, ça m'écœure. Le goût ne me débecte pas, mais de rien. Incroyable, ma femme, hein, quand même. Une mémoire. Les chamallows, ça me débecte vite. Du popcorn. Ah, du popcorn. Mais c'est pareil, le popcorn, faut le choper. Ou alors, il faut en acheter en dosette micro-ondable, là. Et c'est dégueulasse. Il faut un truc qui puisse se manger facilement, rapidement, sans trop de préparation. Je suis pas là pour vous faire un ASMR micro-ondes non plus. C'est vrai que je fais des trucs pas très orthodoxes, donc... Après, il y a le défi de réussir à manger le max de petits beurres possible en 2 minutes. C'est quoi, déjà, la limite
Parce que je crois que ta bouche s'assèche trop vite. Et du coup, ça devient ingérable. Des princes aussi, ça peut être bien chiant, ça. Le granola, et granola, étrangement, je pense que c'est un potentiel assez faible. C'est une idée d'ASMR micro-ondes, ah oui. C'est une idée d'ASMR micro-ondes. Bah, je sais plus, mais c'est trop pâteux au bout d'un moment. Oui, voilà, c'est ça. Je serais le premier à le faire. C'est vrai que je serais le premier à le faire, mais ça veut dire qu'il faut que je ramène mon micro-ondes là. Ou que je trouve un micro sans fil. Alors, à moins que je pique le rod de Zouz. Pas très homologué. Il a une sortie en jack direct, en jack micro, ton petit rod wireless là, Rylin. Je m'en souviens plus. Je sais plus si on peut greffer une sortie direct. Il me semble que tu m'avais dit parce que tu pouvais greffer au micro in sur ton caméscope, mais j'ai des doutes maintenant. Parce que avec ça, oui. Ah bah il y a peut-être le moyen de faire un ASMR micro-ondes alors. On m'aura pas à l'image. À moins que pareil, j'arrive à faire une caméra sans fil. Mais alors ça, peut-être qu'avec le téléphone, ça peut le faire. Sortie de téléphone sur un serveur local ou un truc comme ça. On y songera. On va travailler à ça. On va déjà faire une vidéo setup avec ma femme et on verra pour ces ASMR incroyables. Mais madame a du matos, alors on va mettre à profit le matériel. Quel enfer, putain. Et je me retrouve à devoir descendre au niveau 15 pour chercher mon putain de corps, j'ai envie de canner. Une chose après l'autre. Non mais voilà, c'est ça. Il faut savoir raison garder. Du coup, j'ai... Ah bah alors, par contre, ce qui est bien, c'est que j'ai débloqué l'étage. Donc ce sera plus autant la croix et la bannière, mais quand même, au secours, quoi. Au secours, quand même. Putain, pourquoi j'ai 9 DM sur Discord? Pas clair, cette histoire. Pourquoi suis-je autant sollicité? C'est yéyé. Ah! C'est yéyé sur la convo du PC, c'est ça? Ou alors c'est yéyé qui m'a envoyé des trucs en DM? Bah, c'est pas clair. Bah, je suppose que si c'est toi qui me dis ça, c'est que c'est sur la convo du PC. Du PC de stream. Je me raccroche à la vie. Oh là là, au secours. Ah, les cons! Ah oui, donc on peut vraiment canner là-dessus. Oh, putain, mais moi j'y suis allé comme un inconscient. Complètement. Et en fait, on peut vraiment mourir là-dessus. Le cauchemar. Je sais toujours pas à quoi me servent les billes. Hein. J'ai des billes sur mon perso depuis tout à l'heure et je sais toujours pas à quoi ça sert. Ah, si ça se trouve pour l'observatoire. Je parlais du i7. Ah oui, d'accord, ok. Mais ça, c'est parce que t'as lu 3 magazines de pub aussi. T'es dans ton comportement, bah ouais, mais... Non, fallait que j'aille par la gauche. Chaque fois, je me fais avoir, mais c'est stupide. C'est stupide, ne le faites pas à la maison. Il est pas mort, l'enfoirax. De la viande. La viande. Ah oui, donc, j'ai la confirmation que les tentacules m'attaquent pas tant que j'ai pas la lanterne. Donc, le vrai plan cul, c'est quand j'ai la lanterne. Oui, il répond à une question que j'ai posée sur son stream. Comme il me répondait avec la voix des chipmunks ou je sais plus quoi, du coup, j'avais rien compris. D'accord. Effectivement, tout s'explique. Champax. Je suis pas sûr de ce que je fais là. Hein. Bon, l'avantage c'est que là j'ai la paix niveau tentacule pour le niveau. No Yamete Kudasai. Finalement, c'est peut-être ça le moyen de réussir en fait. C'est peut-être de mourir en cascade, d'aller chercher son corps à l'infini. Il y a une saveur, hein. Il y a un plaisir. Immense même. Mais il y a quoi là-bas? Ah, il y a un coffre, trop bien. Ouais, des bandages en plus, c'est bien ça. Saloperie, bah. C'est moi qui tire mes champax là. Petit champix. Non, je vais m'enfuir. Mais attendez, c'est quoi cette salle de merde? Ah oui, d'accord. Et Re, ça se passe bien. Re, elle se lève. Je suis mort un nombre incalculable de fois, mais je progresse. Et j'ai l'impression de progresser beaucoup trop vite, c'est ça le problème. Je descends.
Mais je pense que je devrais poncer un peu plus les niveaux du dessus. Sauf que là, faut déjà que je récupère mon corps et que j'ai un shortcut pour pouvoir remonter. Le sel monte. Non, ça va encore. Bah là, je viens de faire un petit ASMR Kinder Bueno, donc forcément, ça m'a déjà bien rincé. Ah, saloperie! Alors, ils font très très mal, eux. Ah, voilà. Voilà! Bon, du coup, là, j'ai pas les tentacules, donc yame te kudasai. Yame te kudasai! Donc les viewers sont salés, mais toi ça va mieux. C'est ça. Sinon, moyen d'utiliser le smartphone comme webcam IP dans OBS pour l'ASMR micro-ondes. Oui, c'est ce que je me disais, parce que j'avais déjà fait un truc, mais c'était en filaire. Une fois, on avait fait une vidéo avec Shenzin, Kilan et Nain d'Épice. Je vous dis ça, c'était il y a 1000 ans. Hein. C'est sur YouTube, hein, si vous voulez regarder. On avait fait un Keep Talking and Nobody Explode. Et c'était un cauchemar, le setup. C'était un cauchemar, le setup. Mais qu'est-ce qu'on avait ri. Le son est dégueulasse, le micro pulse sexe, y a rien qui va. Mais la vidéo est drôle. ASMR grippin cracotte. On est plus sur un ASMR micro-ondes. C'est vrai qu'on pourrait faire un ASMR. On n'est pas obligé de se restreindre, finalement, à un simple ASMR micro-ondes. On pourrait faire un ASMR ustensile de cuisine. En direct live de ma cochina. Et là c'est des saveurs, hein. Là, c'est 2K viewers direct. Hein. ASMR sèche-linge en mode essorage, j'avais à 1000 temps une, c'est ça. Non, mais par contre... Oh, il m'a défoncé mes deux shields, par contre, ce sagouin. Grippin avec la dernière tartine grillée. En ASMR. Ouais, voilà. Avec derrière tartine grillée en ASMR. Ouais, exactement. Ta chaîne va se transformer en ASMR cuisine. Terrible. Avec une pince à linge dedans, le paradis. Oh là là, au secours. Ou alors une pièce de monnaie, hein. Ça peut être assez détestable aussi, ça, une pièce de monnaie. Cassez-vous, barrez-vous, con de mime. Il est chaud, là. Ok, ah oui, alors là, c'est la pièce prankée. Le famoso pièce prankée, le paradis. Ah, mais alors là, les enfants, ce sera le live 500 followers. Comme ça, j'ai le temps de le préparer. À 500... Je prends un engagement. À 500 followers, je fais une session d'ASMR dans un live spécial. Alors, ça durera pas tout le live. Le petit Vislard. Ah, ouais, je suis pas fou non plus. Hein. Live ASMR... Enfin, séquence ASMR. Si hâte, bah, il faut faire des SO, les enfants. Le pire connard. Go clip. Non mais, hé, y a pas besoin de clipper, hein. Enfin, vous pouvez le faire, hein. Je n'ai pas peur de mes engagements. Je l'ai dit, je le ferai. Ce sera mon running gag jusqu'à ce qu'on soit à 500 followers. Ce qui arrivera dans très longtemps, croyez-moi. Alors, je sais que ça peut aller vite, hein. Je sais que ça peut aller vite, ce genre de conneries. Mais au rythme où moi, je monte... Croyez-moi qu'il va falloir encore un peu de temps. Mais vous savez, les enfants... Dans la vie, on passe beaucoup de temps à attendre. Et ne serait-ce pas ça, finalement, la beauté de la vie. C'est sur un malentendu. Oui, non mais voilà, mais j'ai pas envie de me... Alors, évidemment, non mais, précisons les règles. 500 followers hors bot. Parce que Chou, il s'est pris une attaque de bot l'autre jour. Il est monté à 3K9 followers. Pour ensuite redescendre à une centaine. Un peu plus d'une centaine. Entendons-nous bien. Je peux faire une soupe. L'angoisse, ouais, grave. Hein, la pauvre... La pauvre, elle a traité, hein. Je crois que j'ai dit « il », je crois que j'ai mégenré. Je me déteste. Bref, elle a galéré. Mais je crois que c'est parti tout seul, donc... is ok. J'avais vu son nombre de follow, je me suis dit « ça pue le bot ». Bah, je lui ai demandé, en fait, en live. Et elle m'a expliqué qu'effectivement, elle s'était prise une attaque de bot dans la tronche. Et effectivement, quand t'allais voir sur Commander Root, tu voyais 600 lignes avec des noms en orange, taguées comme Known Bot. Le coach. Un cauchemar en un acte. Juste ce truc relou qui sert à... Mais ouais, mais en plus, je comprends même pas le projet, en fait. C'est quoi l'intérêt des gens qui font ça?
Je comprends pas l'intérêt que les gens ont de faire ça, vraiment. Je vois pas ce que ça fait à part faire chier son monde, et bon bah ça, je comprends que des gens prennent du plaisir à faire chier leur monde, même si c'est des sacs à merde, mais bon. Quand même assez dégueulasse, mais il faut... Ah, j'ai soif, merde. Et évidemment, j'ai fait deux soupes. Non, c'est bon. J'ai pas été si con, ça va. De toute façon, j'ai de quoi faire. Oui, des ratus. So much ratus. So much viande. Pas que je récupère la lanterne tout de suite, parce que sinon, je vais me faire yémer tes coups d'assaille direct. Salaud! Oh non, il y en a un autre. Au secours, putain. Ah, je suis obligé de reprendre ma truc. Ah non, 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 pas du tout. Ok. Et là... Là, c'est le drame. Putain. Ok. Ah, c'est dommage du coup, parce que je l'ai loupé. Là, je peux pas mourir là-dessus. Si je meurs là-dessus, c'est la honte, les gens vont se moquer. Ok. Ouf. Phew. J'ai faim. J'ai qu'un ragoût, par contre. Cauchemar. Connard! Eh, si, j'avais des bandages, c'est bon. Bien. Oh merde, c'était gratos ça, je me suis fait pranker. Oui, des éclats, ça fait moult éclats ça en plus. Hein. Putain, pour farmer de l'éclat, cette zone c'est royal. Hein. Je sais pas si c'est très homologué ce que je fais, je sais pas où je vais, je sais pas où je vais mais j'y vais. Vas-y, reviens du là, c'est bien. Oh là là, au secours. Mais le live 500 followers en ASMR Cochina, je peux vous dire qu'on va se marrer. Saloperie. Des ratus. De la viande. Ah non, pas de viande. No viande for you. Oui. Et c'est marrant, j'ai l'impression que des fois ça donne plein d'éclats et pas à chaque fois. Pourquoi la musique est différente là? Est-ce qu'en haut il y aurait un shortcut? Oh, je déteste cet endroit, hein. Je déteste cet endroit, c'est officiel. Attention aux tentacules. Ah non, mais il y a un coffre. Ah ouais, des navets. Des ruby beads. Ah, je m'en branle. Hein. Salaud! Il m'a pranké, le salaud. C'est des prankers, hein. Moi, je veux juste m'enfuir. Là, présentement, tout ce que je veux... Je veux m'enfuir. C'est ça. Je veux m'enfuir. Ah non, c'est pas la sortie. Au secours. C'est juste une pièce de merde. Et puis j'ai plus de soupe en plus, hein. Là, je suis... Oh putain. Je suis sur mes données perso, là. Hein. C'est quoi
quoi ce bordel là? Qu'est-ce que c'est que ça? Oula! Oh, j'ai fait un truc. Hein? Ok. Je sais pas ce que c'est, mais d'accord. Saloperie, putain. Connard! C'est lourdeau, hein. Voilà, regardez-moi les affreux, là. J'aille où? Je me retape tout le chemin en sens inverse. Évidemment, sinon c'est pas drôle et on se fait chier. Je m'accroche à la vie, je cours. Pour toute ma vie. Et je suis sûr que je vais trouver un shortcut ou au moins une fin de niveau. Par contre, il y a un moment où il faudra vraiment que j'ai la possibilité de remonter parce que sinon... Sinon au secours quoi. Saloperie, putain. Aïe aïe aïe. Je suis pas mort, c'est un miracle. Je suis pas mort et c'est un miracle. Hein. Parce que là, il doit pas me rester beaucoup de vie, je pense. Hein. Ouais, ça va encore. Ça aurait pu être plus grave que ça. Putain de connard de merde, là. Non, attends, oula, attention à lui, malheureux. J'ai pris un coup, évidemment. Je vous fais un AV. On me redonne pas de vie les navets. Ah, c'est nul. Ok. Ah, ça faisait longtemps que j'en avais pas vu des comme ça. Ah, je suis mort. Oh putain. Quel cauchemar. Oh, je vais m'arrêter là. Je vais m'arrêter là, j'irai récupérer mon cadavre plus tard, c'est pas grave. En fait, ces pièces-là sont pas dures tant que t'as pas la lanterne. Donc, tant que t'as pas la lanterne, tu te fais pas attaquer par les saloperies qui... aggro comme de la merde là par les tentacules, donc ça va. Et maintenant que j'ai le shortcut, en réalité ça va assez vite, mais je vais m'arrêter là parce que c'est un cauchemar. Bisous YouTube, merci beaucoup d'avoir regardé, on se retrouve très vite.